j'espère que vous allez bien. Donc, re-bienvenue sur ma chaîne. Et si c'est la première fois, ben, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Amélie. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette vidéo-là. Comme j'avais tellement hâte de la filmer, j'avais tout mon linge plié sur ma chaise depuis comme une semaine. Parce que je voulais vraiment filmer cette vidéo-là et vous montrer le nouveau linge que je me suis acheté. Et je capote, pour vrai, honnêtement, là. Je capote. Donc, on va commencer maintenant. Donc, j'ai quand même beaucoup de linge, puis je vous dirais que la plupart... En fait, j'ai deux magasins, donc Garage, évidemment, pour ceux qui savent pas, je travaille là, et Urban Planet. Donc, on va commencer par le Garage, je vous dirais. Donc, premièrement, puis ce que je vous montre, là, je l'ai acheté comme la semaine passée, puis l'autre. C'est des nouveautés, fait que ça va être super accessible aussi. Donc, premièrement, je me suis acheté un bodysuit comme ça. Simplement bretelles spaghetti et il est cache-cœur. Puis les bretelles s'ajustent, donc c'est super convenient. Donc il est vraiment simple, là, honnêtement. Vraiment pratique là, pour mettre en dessous n'importe quoi ou juste l'été avec des shorts en jeans style. Ça va être vraiment être beau. Puis il était comme 22, là, vraiment pas dispendieux. Puis il y avait d'autres couleurs, un genre de rose de même, un peu plus mauve. Puis il y avait un comme émeraude, tu sais, comme vert gris un peu là. Fait que c'est ça, donc petit bodysuit. Ensuite, des leggings que j'adore. C'est comme un peu des leggings de sport, en fait c'est dans la gamme sport là, si je me trompe pas. Ils sont comme pas en coton là. Ils sont vraiment un tissu qui respire, donc pour faire du sport. De même, ils ont l'air super normal là, mais comme sur le côté tout ici c'est en filet quand même, mais pas en filet mais comme transparent. Donc c'est dur à montrer là, mais ah, vous voyez, c'est comme transparent tout le long de la jambe. Puis honnêtement, ils sont tellement confortables, je capote. Puis ils sont vraiment beaux. Puis tu sais, oui, je les ai achetés comme principalement pour aller au gym parce que j'ai pas tant de linge de sport. Mais honnêtement, tu peux les porter dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui t'en empêche. Ils sont super beaux, donc voilà. Puis celui-là, il était comme 32, je crois. Ouais, 32. Ensuite, deux petits chandails vraiment basic, manches trois corps, que j'ai acheté dans deux couleurs, parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Donc, un blanc comme ça, c'est des chandails qui sont faits moulants dans le fond, manches trois corps, puis sont côtelés, côtelés, ouais. C'est ça le terme, oh my god, j'avais appris en mode, je pense que c'est ça, un matériel, un tissu côtelé, parce qu'il y a des lignes là, mais des lignes couture là, tu sais, dedans, en tout cas, bref. Ouais, il est moulant, le col est un peu plus large, mais il est pas de même. Genre, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse ça, mais il fait pas ça. Fait que, à moins que je l'étire vraiment, que je pourrais... Mais je sais pas. Mais ouais, il a un col plus large un peu, puis vraiment confortable, honnêtement. C'est... Moi, c'est sûr, je le mets avec des tailles hautes. Et dans un petit rose, parce que, hein, mon amour pour le rose. Mais ouais, un petit rose ben normal, donc... Voilà. Ensuite, un tricot que je me suis acheté, mais ça fait déjà un petit moment. Là. Je sais pas s'il en reste, peut-être dans les outlets ou dans les entrepôts. Mais je sais qu'à mon garage, il n'y en a plus parce qu'on l'a tellement vendu. Honnêtement, je l'ai acheté, puis la journée que je l'ai mis pour travailler, on en a vendu genre 7. Comme on les a toutes vendus. Il est bleu poudre, comme ça, en tricot, manche longue. Puis moi, j'ai pris comme, c'était soit X-Small, Small, ou médium large, puis j'ai pris médium large parce que je voulais qu'il soit plus loose et baggy. Puis tu sais, je roule les manches comme ça ici. Puis il est tellement confortable, puis honnêtement, j'ai pas de bleu poudre dans ma garde-robe. Je pense que c'est le premier morceau bleu poudre que j'ai. Puis je trouve ça vraiment beau, donc ça fait différent. C'est ça, j'aime vraiment beaucoup. Puis celui-là, il était 39. Non, c'est pas vrai, 36. Tu sais, quand tu connais les prix du garage par cœur. Represent! Ensuite, au garage, mes deux morceaux préférés que je vais vous montrer. Oh my god, je capote. Donc, premier item, c'est un coton watté. Ben, chandail coton watté qui est comme... Il est pas crop top, mais il est un peu plus court, là. Donc, chandail noir comme ceci. Vraiment confortable, mais il est pas bédaine, là. Il est juste comme un petit peu plus court pis lousse. C'est marqué pretty, 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 là, mais comme... Je m'en fous, là. Comme... Ça paraît pas tant que c'est écrit ça, là. Il y a genre deux personnes qui m'ont dit « C'est quoi qui est écrit? C'est quoi ça veut dire? » J'étais comme « Ok, tant mieux que vous n'ayez pas remarqué que c'était marqué genre « Pretty, pretty, pretty ». Bref, c'est comme style ACDC. Ouais. Ouais, ACDC ou Metallica. Ah, oh, je sais plus.
Mais bref, chandail comme ça, vraiment confortable, que j'aime juste trop. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu une photo avec cette magnifique robe en coton ouaté. Donc, comme c'est ici, là c'est dur à montrer. Donc, robe longue en coton ouaté avec un capuchon. Sérieux, c'est la chose la plus confortable du monde. Je capote, honnêtement, comme c'est tellement confort, puis je la trouve juste trop belle. Puis elle est pas trop courte, là. Elle est vraiment une longueur, genre vraiment raisonnable. Puis c'est sûr qu'en ce moment, je la porte avec des jeans, pas avec des trous. J'aime vraiment ça. Parce que, tu sais, pas encore temps de mettre des robes. Mais c'est sûr que cet été, tu sais, le soir, quand c'est plus frais, avec des genre Vans, des Nike blancs dans mes pieds, ça va juste être trop beau. Dernier item au garage, c'est des jeans. Sont nouveaux ceux-là. Dans le fond, c'est des rétro high waist. Ça, c'est vraiment les encore plus tie-out qui arrivent en haut du nombril. Ok, ils sont tout simplement. Là, ils ont plein de plis parce que je les ai portés, là, mais. Sont bleu foncé, puis ils ont comme un effet délavé, là. C'est ça que j'aime, parce que s'ils avaient été comme tout bleu de même, j'ai trouvé trop simple, trop ordinaire, mais avec l'effet délavé, comme ils sont vraiment beaux. Puis honnêtement, là, ça peut pas être plus confortable que ça. Ces jeans-là, je capote. Genre, j'ai jamais vu ça, là. C'est les jeans les plus confort du monde, puis ils font tellement bien, là, j'y trouve tellement beau. Fait que, pour vrai, là, sont vraiment vraiment super. Donc maintenant on va passer au Urban Planet que j'étais allée au outlet. Ouais, lui des outlets à Mirabel. Puis j'ai trois items à vous montrer, dont premièrement le best coton ouaté. Il me semble que j'ai dit ça à tous mes morceaux là, mais honnêtement je suis vraiment contente de tous les morceaux que j'ai achetés récemment, dont ce coton ouaté là que vous avez sûrement vu sur Instagram aussi passé. Donc petit bébé rose, il est un peu cropped, mais vraiment pas tant, honnêtement. Avec ça, là, les rétros là, ben comme c'est sûr qu'on voit pas mon ventre, là. Puis il est comme, tu sais, il n'y a pas de bordure, là, il est comme coupé, c'est genre bien la mode en ce moment. Puis il y a un capuchon, puis c'est la chose la plus douce du monde. En dedans, là, vous comprenez même pas comment c'est doux, je capote. Fait que c'est ça, je l'adore, là, puis comme. Il est vraiment, vraiment, vraiment confort. Puis il était 20$, là. Vraiment pas cher, honnêtement. Puis les deux autres items que j'ai achetés, c'est des casquettes Urban. Parce qu'ils ont plein de casquettes tout le temps. Puis si vous avez vu mon vlog avec Lisa, qu'on est allé au Urban Planet, qu'on s'est acheté les deux la même casquette, c'est marqué I just want pizza. Donc vraiment normal, mais je la trouvais hot la phrase, là. Est en jeans, puis elle était 10$. Puis avec le truc de. Le code là, que t'envoies pis t'as un 5$ de rabais là, qui ont depuis genre vraiment longtemps, ben elle m'a coûté 5$. Puis la deuxième c'est celle-là ici, un genre de gris mauve taupe, une couleur que j'avais pas, vraiment basic, simple, mais je l'aime bien. Puis elle aussi était 10$, donc vraiment pas cher. Donc voilà, c'est tout ce qui conclut mon haul. J'espère que vous avez aimé mes morceaux. Si oui, dites-moi le morceau préféré dans les commentaires, comme vous voulez. Puis mettez un petit thumbs up à la vidéo si vous avez aimé ça. Puis aussi, je me suis créé un compte Ask. Comme honnêtement, j'avais jamais downloadé cette application-là de ma vie jusqu'à hier. Je l'ai downloadé parce que tout le monde parle tout le temps de Ask ces temps-ci. Puis je suis comme, c'est quoi ça? Genre, ben je sais c'est quoi, tu poses des questions, mais comme j'avais jamais vu l'application, là, je l'ai downloadé. Puis je me suis fait un profil, donc si vous voulez aller me suivre et me poser des questions sur n'importe quoi, ben allez vous suivre, le lien va être en bas dans la barre d'infos. Et dernière petite chose, j'aimerais ça que vous me posiez des questions en commentaire parce que je veux filmer une FAQ depuis full longtemps. Puis j'oubliais tout le temps de vous demander genre de me poser des questions dans les commentaires. Fait que sur n'importe quoi, là, ma vie, peu importe, n'importe quoi honnêtement, là, posez-moi des questions en bas. Puis dans une prochaine vidéo, c'est sûr que je veux faire une FAQ, fait que je vais répondre à vos questions. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. What you gonna do with that dessert? Do what do I need that do what